contente, je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo donc qui sera très très courte, mais je tenais absolument à vous la faire parce que c'est des nouveautés de chez Action et je vais vous faire découvrir ça tout de suite. Donc dans un premier temps, j'ai pris ces enveloppes, vous savez les enveloppes colorées. Donc il y a différentes couleurs, il y a différents paquets. Moi j'ai pris ce paquet-là où il y a bordeaux, vert, beige, noir il me semble et kaki. Donc je compte faire des mini-albums donc à base d'enveloppes et les couleurs sont juste top. Après il y avait un autre lot où c'était assez coloré. Donc je suis restée dans les couleurs voilà, de base. Ensuite, oh mon Dieu, les blocs en 15-15. Donc c'est des nouveautés. J'avais vu une photo, je crois que c'était hier soir. Du coup, je me suis dit, on va quand même tenter d'y aller ce matin. Donc le Tropical Vibes est donc à 60 centimes. Et regardez-moi ces motifs. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Il est magnifique. Donc ça pour un mini-album, c'est juste terrible. Celui-là est magnifique. Et les ananas. Donc voilà. Ensuite, le Modern Vintage. Plus Action sort des papiers et plus c'est magnifique. Je trouve qu'il se défonce. Il n'y a pas d'autre mot. C'est juste une tuerie. Et comment résister, ne pas craquer. Regardez-moi ce papier. Donc là, le fond est magnifique. Ensuite, j'ai pris un Dots and Strips. Donc celui-là, je l'ai pris qu'une seule fois pour que ça me serve en base. Donc c'est beaucoup de poids et de traits. Ensuite, nous avons le Soft Colors. Alors, il est très pastel, il est magnifique. On a l'impression que le fond était colorisé. Et c'est juste magnifique. Regardez-moi ce fond. Ensuite, nous avons le Watercolor Florals. Donc celui-là, pareil, on a l'impression que les fonds sont faits à l'aquarelle ou... Et nous avons le Hipster Chic. Donc en tout, il y a 6 blocs. Donc regardez-moi celui-là. Celui-là est magnifique avec tous les appareils photo. Et je vois qu'il y a des petits bouts.
Voilà, pour franchement, je suis pas déçue. C'est les 6 blocs. Ils sont tous magnifiques. Ensuite, j'ai trouvé des embellissements en bois. Donc, comparé à ma main, ils sont assez grands. Mais. Mais ça peut se faire. On peut les utiliser sans problème. Donc il y a 36 pièces et ils sont à 85 centimes. Donc vous avez arrosoir, papillon, oiseau, cœur. Ensuite j'ai pris sur le thème de Paris, donc Tour Eiffel, Paris, une clé, symbole, Paris. Donc, magnifique également. J'ai ensuite pris celui-ci. Donc là, vous avez différentes feuilles, plumes, un petit trèfle. Là, la plume, elle est magnifique. Et le dernier, donc c'est celui-ci. Avec des chevrons, des tags, des flèches. Donc il y a celui-ci avec les différents mots, big smile, love life, des petits cœurs, étoiles, awesome, cool. Donc le dernier kit, c'était sur le thème bébé, mais bon, moi je n'utilise pas. Donc j'ai pris vraiment ceux qui m'intéressaient. Et ensuite, autre nouveauté, donc ce sont les embellissements. Donc il y avait plusieurs motifs, mais ils me plaisaient pas trop. Ou alors, il me semble qu'il y a 4 ou 6 coloris, enfin 6 motifs différents. Mais j'ai pris que ces deux boîtes-là. Donc le premier, ce sont des fleurs. Donc à 1 euro. Ils sont magnifiques. Et ensuite des papillons. Donc voilà pour mes nouveautés scrap. J'espère que vous trouverez votre bonheur dans votre action. Je vous fais d'énormes bisous. Scrapez bien et à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!